tous et bienvenue encore une fois à Classe à la maison. Moi j'ai super hâte pour cette journée parce que on va pouvoir entendre vos histoires. Quatre enfants m'ont envoyé leurs histoires. On va écouter les quatre aujourd'hui. Donc si vous êtes prêts, on y va. Ok les enfants, regardons le calendrier aujourd'hui. Donc hier, nous étions jeudi, lundi, mardi, mercredi, jeudi, le 28 mai 2020, ok? Donc, après jeudi, vient quel jour? Mercredi, jeudi, vendredi, super! Vendredi, et qu'est-ce qui vient après 28? 28, 29, c'est ça. Alors, 29, comment on l'écrit? 20, c'est deux dizaines. 9, c'est à 9, donc 29. C'est comme ça qu'on lit ce nombre. Je vais le mettre là. On est presque à la fin du mois. Donc, aujourd'hui, nous sommes vendredi 29 mai 2020. On dit ensemble ? Aujourd'hui, nous sommes vendredi 29 mai 2020. Et nous sommes toujours dans quelle saison ? Nous sommes toujours au printemps. Si on regarde notre roue des saisons, je vais le chercher, là, voilà, notre roue des saisons, ah bah ça fait un moment que je ne l'ai pas bougé, mars, avril, mai, vous pouvez voir que bientôt, on sera dans une nouvelle saison, et cette saison, quelle saison vient après? Printemps. Après le printemps vient l'été. Donc, on a vécu ensemble l'automne, l'hiver. Maintenant, on est au printemps. Et bientôt, à la fin du mois de juin, nous serons en été. Et bien, vous savez très bien que après le mois de juin vient le mois de juillet. Et le mois de juillet, ça veut dire qu'on sera en vacances pour l'été. Donc, maintenant, comme d'habitude, alors je vais remettre mes affaires comme il faut. Là, j'ai des boutons de hier qui se font partout. Hier, nous avions fait combien de jours à l'école? Je ne sais pas si vous voyez bien. 135. Donc, 135, ça fait une centaine qui fait 100, trois dizaines qui font 10, 20, 30 et 5 unités, 1, 2, 3, 4, 5, 135, on écrit comme ça, ok? Donc, aujourd'hui, on va ajouter 1 à 5, donc 5 plus 1, ça fait 6, donc j'efface mes 5 là, là, et encore là. Et je vais les remplacer avec des 6. Ce qui est important quand on écrit le 6, c'est qu'on commence en haut. 6. 130. 136, super, 136 jours à l'école et à l'école à la maison, très bien. Ok, avant de commencer la phonologie, aujourd'hui, on va tout de suite lire l'histoire de Hermione, de notre classe. Alors, pour rappeler, quelles étaient nos images pour créer nos histoires? Est-ce que vous vous en souvenez? Il y avait un cactus, un corbeau,
quoi d'autre? Un éléphant. Je suis en train de chercher parce que même moi j'ai oublié. Donc je vais trouver ma photo. Alors voilà. Il y avait un champignon, un crabe, un bol de nourriture, un éléphant, un serpent, un sac de quelque chose, un corbeau, un monsieur fâché ou une madame fâchée et un cactus. Super. Donc avec quelques-uns de ces éléments, Hermione nous a écrit une histoire. Vous êtes prêts? C'est une petite fille. Alors moi je lis ces mots à elle. C'est une petite fille qui est dans son jardin. Elle récolte des tomates quand un voleur avec un sac sur l'épaule arrive pour voler le papy de la petite fille. Hop, 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 hop. Mais un serpent arrive pour prévenir la petite fille. Elle appelle la police. La police vient tout de suite, mais avant d'arriver, ils s'arrêtent manger un bol de riz. Puis ensuite, reprennent tout de suite la route. La police court, court, et enfin, arrivé, le voleur est en prison. Et la petite fille cueille des fleurs dans le jardin voisin d'à côté. Fin. Alors, dans cette histoire, qui est le personnage principal? C'est la petite fille. Donc, bravo Hermione, tu as bien compris. Et où se passe cette histoire? Où se passe cette histoire? Cette histoire se passe dans le jardin. D'accord? Il y a deux jardins dans l'histoire. Le jardin de la petite fille et le jardin des voisins à côté. Super! Elle a tout compris, Hermione. Et quels éléments a-t-elle mis dans son histoire? Déjà, le voleur a un sac sur l'épaule. D'accord, donc elle a mis le sac dans l'histoire. Il y a un serpent qui la prévient que le voleur arrive, donc elle a mis le serpent aussi. Il y a aussi un bol de riz parce que les policiers ils s'arrêtent pour manger un bol de riz. D'ailleurs, Hermione elle est drôle dans l'histoire. Hein. Donc un grand bravo à Hermione pour son histoire, et je vais vous faire voir d'autres histoires pendant cette vidéo. De temps en temps, on va mettre une histoire à chaque fois. Ok? Bon, aujourd'hui, en phonologie, nous avons... Alors, nous sommes en train, cette semaine, d'étudier deux sons. Le J... Attendez, je vais aller chercher. Ok. Le J qui dit... et le CH, c'est deux lettres qui font ch, ch, ch. Aujourd'hui, on va essayer de combiner le ch avec nos sons voyelles. Pour rappeler les voyelles simples, je les prends ici, les voyelles simples. Donc, les voyelles simples, c'est-à-dire le O, E, E, U, I, et enfin le Okay. Donc là, c'est facile, on les travaille depuis le début de l'année, ces voyelles-là. Et depuis quelques semaines, on est en train d'apprendre les sons voyelles un peu plus compliqués où il faut deux ou trois lettres pour faire le son. Donc on a le OU, O-U, ça fait OU. On a le O-I qui fait wa, wa. On a le OU et le EAU. J'ai dit OU. Le AU et le EAU qui disent O aussi. Et je pensais qu'on en avait d'autres. Mais c'est tout ce que j'ai trouvé. Bon.
Je dois me tromper. Donc, ça veut dire qu'on va peut-être en apprendre un autre la semaine prochaine. Ok? Donc, on va essayer de combiner avec notre ch, ch, les sons voyelles pour faire des syllabes. Vous êtes prêts? On va faire doucement et puis plus vite. Ch, a, chat. Oula. Ch, i, chi. Très bien. Ch, u, chu. Très bien. Ch, e, chi. E, ch, ch, o, chaud. Super. Ch, o, chaud. Chaud. Trois façons différentes d'écrire la syllabe chaud. Ch ou chou, comme j'aime manger des choux. Et ch ou choix. Super. Bon, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va aller plus vite et vous allez essayer de répondre avec la bonne réponse avant moi. Ok? Allez, est-ce que vous êtes prêts? Chat. Chi. Chu. Che, che, chaud, choix. Alors là, si vous réussissez, c'est parce que vous êtes trop fort. Chaud. Chaud. Super, vous êtes trop fort. Alors aujourd'hui, en devoir, je vous ai donné une petite fiche. On va la faire ensemble sur mon écran. Donc, vous allez participer. Si vous voulez faire tout seul, bah, vous sautez cette partie. Vous faites tout seul et ça peut être une correction pour vous. Donc, je change de caméra. On y va. Ok, donc là, c'est notre fiche. Ce que je vais faire, c'est que je vais taper sur écrire. On va faire en vert, pourquoi pas. Ça fait quoi? C'est parfait, ok. Donc, aujourd'hui, nous sommes en train de regarder, étudier le son ch. Alors, ça veut dire, c'est la façon d'écrire le son. Le phonème, parce que là ce n'est pas un phonème, ça s'appelle un graphème, c'est comme ça, ch, qu'on a écrit ce son, ch, 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 ok? Donc, première chose à faire, c'est d'entourer les lettres ch en script et en cursive ou attaché, ok? Donc, on regarde le premier exemple. C'est L. Est-ce qu'on entoure? Non. C'est... Alors, H, attention, il y a un pont en plus. C'est H? Oui, j'entoure.
CH. J'entoure aussi. Est-ce que ça, c'est un H? Non, c'est CL, donc j'entoure pas. Regardez, je ne suis pas en train de sauter partout. Je lis de gauche à droite, de haut en bas, ok? Là, c'est quelle lettre? PH. Est-ce que PH, c'est pareil que CH? Non. Donc, je continue. J'entoure? Oui, CH. Là, c'est un W, donc j'entoure pas. Là? Oui, c'est le CH en attaché. Là. CL, donc non. Là. N, non. Là. PH, non. CL, non. Donc je descends. Je ne viens pas ici parce qu'on ne lit pas dans ce sens-là. Je reviens au début. CH, vous êtes d'accord? On entoure. On entoure. C, L, on n'entoure pas. C, H, j'entoure. P, H, j'entoure pas. C, L, j'entoure pas. C, H, j'entoure. Oups, bon, c'est pas grave. P, H, je n'entoure pas. P, H, je n'entoure pas. C, H, j'entoure. C, L, non. C, H, oui. Là, on va peut-être changer de couleur, vous êtes d'accord? On va peut-être faire en bleu maintenant. Donc, on descend. Entoure les lettres qui font le son ch dans chaque mot. Donc, quelles deux lettres font le son ch? C'est le C et le H. Est-ce que vous voyez le CH qui se cache dans ce mot? Mais oui, regardez. Attendez, je vais... Bon, je peux pas. P-O, ça fait... P-O-C-H-E-C-H-E. Che. Poche. Poche. Donc, j'entoure. Alors, j'ai très mal entouré et je ne peux pas effacer. Donc, c'est comme ça. Là, on a de. Ou. Che. Douche. Et j'entoure le CH. Pour moi, c'est un peu difficile. Si vous faites chez vous, ça sera plus facile d'entourer avec un crayon. Ch. Ou. Ça fait. Quel mot? Chou. Et j'entoure. Alors, ce E, on n'a pas encore vu. Regardez, ce n'est pas le ché, parce que le ché, le petit chapeau, monte vers le haut. Et là, le petit chapeau descend en bas. Ça s'appelle le E, comme le AI, cette lettre dit E. Et là, c'est le mot chèvre. Chèvre. Ok? Le CH, on entoure au début. A. Che, T-E-R, ça dit T-H-E-T, le C-H est ici, on entoure. E-T, ça dit E aussi, d'accord? P-C-H-E, P-C-H-E, le C-H est au milieu. E-R, ça dit E aussi, co-ché, coché. Cloche, cloche. Où est le CH? Attention, c'est là. Chercher. Il y en a combien ici? Chercher. On entend deux fois et il y a deux fois CH. Et là, le IEN, ça dit yin. Que ça, c'est le mot chien. Super. On change de couleur une fois de plus. Allez, on va faire en rouge cette fois. Ça dit relis. Donc, c'est un chameau, du chocolat, un chapeau, un chignon, une chenille,
parachute, écharpe, chemise. Et nous, on doit relier, ça veut dire tracer une ligne, entre la syllabe et le mot qui va avec. Donc, chat, che, chaud, chi, chu. On va commencer avec chameau. Chameau, on entend laquelle de ces syllabes? Cha, che, chaud, chi ou chu. Chameau, c'est chat. Maintenant, chocolat. Cha, che, chaud, chi ou chu. Chocolat. Super. Chapeau. Ah, c'est encore chat. Chapeau. Chignon. Chignon. Cha, che, chaud, chi ou chu. Oui. Chignon, c'est chi. Chenille. Oui, che. Super. Parachute. Chute. Là. Super. Écharpe. Écharpe. Cha-a-a. C'est la syllabe. Je vais passer par là. Chat. Super. Et chemise. C'est encore la syllabe. Che. Super. Comme j'ai dit, soit vous venez de faire avec moi et vous ne faites pas la fiche, soit vous préférez faire tout seul et ou refaire et vous imprimer. Voilà! Ok, maintenant nous allons écouter l'histoire d'Aristide et on va aussi voir son illustration. On y va! Alors en fait, c'est un méchant, il mange la salade de riz grave et faut pas qu'il mange le champignon vu qu'il est venimeux. Et il est allé dans le désert avec son animal de compagnie, l'éléphant. Et il veut aller chercher le sac de trésors. Et il y a des serpents et le corbeau lui pique. Les serpents. Et après, il repart avec le trésor. Alors, merci pour ça, Aristide. Donc, Aristide, il a mis dans son histoire le champignon, l'éléphant, un sac de trésor. Donc, dans l'histoire d'Hermione, le sac était sur l'épaule du voleur, alors que dans l'histoire d'Aristide, bah, c'est un sac de trésor, super. Il y a des serpents, il y a un corbeau. Il y avait un personnage principal, c'est le méchant du début, si j'ai bien compris. Et il y a un lieu, le désert. Donc, bravo Aristide, c'est super. Et maintenant, on va faire un petit peu de maths et on va entendre une autre histoire. Ok, donc... cette semaine, nous sommes en train d'essayer d'apprendre à compter par 5 et par 10. Donc, je pense que vous savez déjà compter par 5, mais par 10, mais on va s'entraîner encore aujourd'hui. Donc, 10. Alors, je vais compter sur mes doigts et chaque doigt va représenter 10. D'accord ? Donc, au lieu de faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... on fait une dizaine, deux dizaines, trois dizaines, quatre dizaines, cinq dizaines, et ainsi de suite. Et on va nommer ces nombres. Donc, vous êtes prêts? Allez, on y va. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Est-ce que vous êtes capable de faire dans l'autre sens? On va essayer. 100, 90, attendez, pour vous ça sera, c'est, pour vous ça sera ici qu'il faut faire. Donc 100, 90, 80, 70, 60, 50,
40, 30, 20, 10. J'ai loupé quelque chose. Ah! Attends. On recommence. Donc, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. 100. Ah, c'est pour ça. 100. 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10. C'est pas tout simple, même pour moi. Et aujourd'hui, j'ai fait des flashcards pour nous aider à visualiser et c'est plus simple que mettre des photos après. Donc, vous allez voir que sur mes flashcards, je vais peut-être approcher mon ordinateur pour que vous voyez mieux. Ok. Donc, vous allez voir que les nombres en bleu, c'est des unités. Et que les nombres en rouge, c'est des dizaines. Donc, dizaines, unités. Donc, une dizaine, ça fait 10. Vous allez voir que les nombres en bleu, ça sera que des 5 et des 0. Regardez, on va juste les regarder. Donc, 15, on a encore une dizaine et 5 unités. 20, on a 2 dizaines, 0 unités. 25, ça sera 2 dizaines, 5 unités. 30, ça sera 3 dizaines, 0 unités. Vous voyez, c'est que des 0 et des 5 ici. Quand on compte par 5, c'est comme ça. Parce que 5 et 5, ça fait 10. 3 dizaines et 5 unités, ça fait 35. Super. 4 dizaines et 0 unités, ça fait 10, 20, 30, 40. Super. 4 dizaines et 5 unités, ça fait 45. 5 dizaines, 0 à côté, ça fait 10, 20, 30, 40, 50. 50. On ajoute 5 et ça fait 55. 6 dizaines, ça fait 10, 20, 30, 40, 50, 60. 60 et 0 de plus. 60. Plus 5, ça fait 65. Plus 5, 7 dizaines, 0 à côté, c'est 70. Plus 5, 75. 8 dizaines, ça fait 80, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Okay. 80, ensuite 85, 90, 9 dizaines, 95, et là on arrive à 100. Et vous pouvez voir que mes centaines sont noires et il y a 0 dizaines et 0 unité. C'est comme quand on fait chaque jour compte, d'accord? Ok, on va essayer de les dire un tout petit peu plus vite. Vous êtes prêts? Allez, 5, 10, 15, 20, 25. 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70,
75, 80, 85, 90, 95 et 100. Si c'est trop difficile, les enfants, c'est pas grave. Vous allez faire ce travail également en CP, en CE1, en CE2. Voilà, donc il n'y a pas de souci si ça reste difficile pour le moment. Bon, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va écouter l'histoire de Hayden, de notre classe. Alors, Hayden, il a bien travaillé et il a même fait plus que ce que j'avais demandé parce qu'il nous a fait un livre. Et je vais vous montrer ses dessins et je vais vous lire son texte. D'accord ? Donc, ça fera notre histoire. Notre dernière histoire pour aujourd'hui. S'il y en a qui voulaient m'en envoyer, c'est pas trop tard. Vous pouvez me les envoyer, c'est jamais trop tard. Et on va faire cet exercice un peu plus souvent parce que je pense que ça vous plaît. Donc, on y va. L'histoire de Hayden, tout de suite. L'homme magique, par Hayden. Il était une fois un immense manoir. Un jour, Calmir, qui était le maître du manoir, reçut une lettre signée « L'homme magique ». La lettre disait à Calmir qu'il y avait un trésor caché dans son manoir. Le trésor était caché dans une pièce secrète qui était dans l'armoire de sa chambre. Pour ouvrir la porte de la pièce, il y avait une clé qui se trouvait sous son lit. Calmir alla immédiatement voir sous son lit et vit un trou dans le parquet. Et dans le trou, il découvrit une clé en or. Il prit la clé et alla dans l'armoire pour chercher la pièce secrète. Au fond de l'armoire, il y avait une minuscule serrure verte. Calmir fit tourner la clé dans la serrure et se retrouva dans un endroit magique. Il était sur une feuille géante et le soleil faisait briller tout ce qu'il y avait autour de lui. Calmir se mit à avancer tout en gardant son équilibre pour ne pas tomber dans le vide. Mais la feuille géante était remplie de pièges. Il y avait des cactus, des crabes et des champignons toxiques. Au bout de la feuille, Calmir vit un sac qui devait sûrement contenir le trésor. Soudain, il sentit les pinces d'un crabe sur sa jambe et lorsqu'il voulut le chasser, sa main fut piquée par un cactus. Calmir hurla de douleur. Aïe ! Toutefois, Calmir continua d'avancer vers le sac. Enfin, Calmir parvint jusqu'au sac et l'ouvrit sans attendre. Mais à la place du trésor, c'était un fantôme qui sortit du sac. Calmir était terrifié. Le fantôme se présenta. « C'est moi, l'homme magique. Depuis plus de 100 ans, mes amis et moi étions prisonniers dans la pièce secrète. Et maintenant, grâce à vous, nous sommes enfin libres. » Et là, tout se mit à se transformer sur la feuille. Les champignons se transformèrent en momies squelettes, les crabes en vampires clowns et les cactus en loups-garous gluants. Calmir prit ses jambes à son cou pour se réfugier dans le manoir. Mais malheureusement, tous les monstres le suivirent. Calmir était fou de rage car il avait été piégé par l'homme magique. Et surtout, maintenant, il était le maître d'un manoir hanté. Fin. Ok, bon, c'était notre dernière histoire, je pense, de la journée. J'attends la permission de quelques autres élèves, parce que je partage jamais vos histoires si vous ne me donnez pas le droit. C'est normal.
Donc, si on va parler de l'histoire de Aiden, alors le lieu, l'endroit où l'action se passe. Parce que souvenez-vous, on a dit il faut choisir un endroit et un personnage. Donc, Aiden, il a choisi le manoir. C'est une grande maison. Voilà. Et son personnage principal, c'était quelqu'un qui s'appelle Calmir. Donc, Calmir, il vit dans le manoir et il va recevoir une lettre. Alors, Aiden, il est aussi intégré quelques éléments de nos story cubes parce que quand Calmir va entrer dans la pièce magique, dans la pièce secrète, il y aura un cactus, des crabes, un champignon, des champignons toxiques et un sac de trésors. Donc voilà les quatre cubes qui ont choisi Aiden. Merci beaucoup à tous ceux qui ont fait ce travail, même si vous m'avez rien envoyé. C'est vraiment bien de faire travailler l'imagination. Créer des histoires, c'est pas simple pour tout le monde, mais plus on va le faire, plus vous allez réussir. Et je suis sûre qu'il y a des futurs écrivains parmi ceux qui sont dans ma classe. Donc, bravo, 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 bravo. J'ai adoré écouter vos histoires et lire vos histoires. Et on va faire ça peut-être la semaine prochaine aussi, parce que vous avez tellement aimé. C'est tout pour aujourd'hui. Donc, vous avez quelques petits travaux pour ce soir. Samedi, dimanche, lundi, on ne se voit pas. On se verra mardi. Tout de suite là, je vais vous montrer votre travail d'écriture. Et puis, c'est la fin de la journée. Au revoir. On va faire comme d'habitude. On va commencer en écrivant la date. Donc, vendredi 29 mai 2020. Donc, V. E, N, ça fait vent. Ensuite, oups, quand ça arrive, c'est pas grave, ça arrive. D, R, E, ça fait dre. Donc, vent, dre. Comment on fait pour écrire la syllabe di, de i? Mais oui, c'est un D et ensuite un I. Et ça fait vendredi. Vendredi 29. Donc 29. Mais, ça s'écrit comme ça, M-A-I. Le A-I dit est. On n'a pas encore appris ce son parce que c'est un son complexe en grande section, mais pour que vous sachiez, AI, ça fait E. Donc, quand on veut écrire le mot mais, ça va être M, puis AI, quand il se marie, ça fait E. Ok? 2020, c'est comme ça. 2020, vendredi 29 mai 2020. Ok, maintenant je tourne la page. Je n'ai presque plus de cahier. Mince alors. Il va peut-être falloir que j'en commande un autre, je pense. Et aujourd'hui, alors hier, on a travaillé sur l'enchaînement du C et du H, ok? Si ça c'était trop difficile hier, vous allez faire ça aujourd'hui aussi. Si hier vous avez dit, ah maîtresse, ça c'est trop facile, je sais déjà faire, bah aujourd'hui vous allez faire des syllabes. Chat. Chi,
que j'oublie là, je pense. Cha, cho, chi, chu, a. Et che. Comme cheval. Voilà. Si ça c'est trop difficile, les enfants, vous savez très bien. Vous pouvez faire des lettres en pâte à modeler. Vous pouvez aussi demander à maman et papa, si vous voulez, d'écrire dans de la sable, si vous en avez, ou de la farine. Mais il faut peut-être faire ça dehors parce que ça peut faire, à mon avis, ça peut faire du bazar. Voilà pour aujourd'hui, les enfants. Je vous souhaite une super journée. Au revoir. Ah, et je vous souhaite aussi un super week-end. À mardi.